Alors, qu'est-ce qu'un séjour au pair? Vous vous posez peut-être la question de savoir exactement ce qu'est le séjour au pair. Il n'y a pas de définition exacte, mais avant tout, je dirais qu'il s'agit d'un échange culturel dans la mesure où l'on part dans un pays étranger pour aider une famille d'accueil, mais surtout, le but principal étant de vivre immergé, d'apprendre de la culture, des habitudes et bien sûr de pratiquer une langue via l'immersion. Donc ça, c'est l'objectif recherché par la grande majorité des candidats qui s'inscrivent pour un programme au pair. Le rôle d'un jeune au pair, en fait, sera d'aider une famille au quotidien avec les enfants et un petit peu d'aide à la maison. Donc, par exemple, le jeune au pair va se lever le matin, préparer les enfants, les aider, donc, pour prendre leur petit déjeuner, les amener à l'école. Ensuite, il aura un peu de temps libre, donc pour prendre des cours d'anglais. Il doit récupérer les enfants après l'école, donc cela dépend des pays. L'horaire et bien sûr toutes les conditions vont dépendre des pays également, donc je pourrais vous en dire un peu plus par la suite en fonction des pays, mais là je vais rester assez général. Donc de retour à la maison, on s'occupe un petit peu encore à nouveau des enfants, aide avec les devoirs, le goûter, le bain, le repas. Pendant la journée, pendant le moment où les enfants sont à l'école, il peut y avoir un petit peu de participation aux tâches ménagères. Donc le jeune au pair est là pour aider, donc c'est-à-dire peut-être on va vous demander de passer un coup de balai dans le salon ou nettoyer la cuisine après le petit déjeuner, mais on ne vous demandera pas de faire le ménage complet de toute la maison. Du moins, on ne devrait pas vous demander cela. Ce ne fait pas partie du tout des attributions d'un jeune au pair. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pendant la journée, on a du temps et on conseille très souvent de prendre des cours d'anglais ou d'italien, d'espagnol, selon le pays dans lequel vous êtes, bien sûr, ou des cours d'autres choses, une activité qui vous permette en fait simplement d'avoir une occasion supplémentaire de pratiquer la langue, de faire des rencontres et donc de parler un peu plus afin de pratiquer l'anglais. Voilà, donc ça serait rapidement ma définition du séjour au pair et on va voir plus tard quelles sont les conditions spécifiques de ce séjour.